8 astuces maison pour guérir la conjonctivite. La conjonctivite est une affection caractérisée par une inflammation de la membrane transparente qui tapisse la paupière et la partie blanche du globe oculaire. Cette zone contient de petits vaisseaux sanguins qui, exposés à des micro-organismes et des particules volatiles, souffrent d'irritation, ce qui provoque des brûlures et des rougeurs. Les cas les plus courants sont causés par une infection virale ou bactérienne, toutefois, ils peuvent aussi être causés par des réactions allergiques ou un contact avec des irritants. Les symptômes disparaissent généralement au fil des jours, même sans traitement. Mais nous vous conseillons d'appliquer nos conseils pour accélérer votre rétablissement. Dans cet article, nous voulons partager avec vous les 8 meilleurs. N'hésitez pas à en profiter lorsque vous êtes confronté à ce problème agaçant. Prenez-en note. 1. Compresse froide pour soulager la conjonctivite. L'application d'une compresse froide sur les paupières peut apaiser la sensation de brûlure qui se produit dans les yeux en raison de la conjonctivite. Comment l'utiliser? Enveloppez plusieurs glaçons dans un chiffon propre et placez-les sur la zone affectée. Laissez agir 5 à 10 minutes, puis retirez la compresse. Avant de réutiliser le remède, lavez et désinfectez le chiffon. 2. Camomille. Les fleurs de camomille ont des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires qui favorisent le rétablissement des yeux lorsque ce type d'infection les affecte. Comment l'utiliser ? Refroidissez au frais quelques sachets de thé à la camomille et, lorsqu'ils sont bien froids, appliquez-les sur les yeux. Laissez-les sur les yeux pendant 5 minutes et retirez-les. Utilisez-les 2 ou 3 fois par jour. 3. Vinaigre de cidre. En raison de son action antibiotique et antivirale, le vinaigre de cidre peut être utile comme solution naturelle contre la conjonctivite. Il est rafraîchissant et aide également à lubrifier les tissus irrités pour soulager. Comment l'utiliser? Dilue le vinaigre de cidre dans de l'eau tiède, à part égale. Plongez un morceau de coton dans le liquide et appliquez sur les paupières. Utilisez-le 2 fois par jour. 4. Concombre. Riche en eau et en composés antioxydants, le concombre est un ingrédient hautement bénéfique pour les yeux. Son application directe améliore la circulation sanguine et a également un effet calmant. Il est idéal pour réduire la présence des poches et des cernes, mais aussi pour contrôler les rougeurs et les démangeaisons de la conjonctivite. Comment l'utiliser? Refroidissez plusieurs tranches de concombre et appliquez-les sur les yeux. Laissez agir 10 ou 15 minutes, puis retirez. Répétez l'utilisation 3 fois par jour. 5. Pommes de terre pour traiter la conjonctivite. Les pommes de terre agissent comme le concombre. Leur jus naturel est un anti-inflammatoire qui peut contrôler l'irritation des vaisseaux sanguins affectés.
comment l'utiliser. Coupez une pomme de terre en plusieurs tranches et mettez-les au réfrigérateur. Lorsqu'elles sont bien froides, appliquez-les sur les yeux pendant 10 minutes. Répétez l'application 2 ou 3 fois par jour, au besoin. 6. Thé vert. Le prodigieux thé vert contient des ingrédients actifs qui favorisent le traitement des problèmes oculaires. Dans ce cas particulier, l'inflammation diminue et le flux sanguin est réactivé. Comment l'utiliser ? Mettez 2 sachets de thé vert sur vos paupières. Laissez-les agir pendant 5 ou 10 minutes. Utilisez ce remède 3 fois par jour. 7. Huile de coco. Bien que nous connaissions l'huile de noix de coco comme un grand allié pour éviter les rides, il est bon de savoir qu'elle est également utile contre les infections qui irritent les yeux. Ses propriétés antibactériennes inhibent la croissance des micro-organismes et accélèrent le soulagement de l'inflammation et des brûlures. Comment l'utiliser ? Mouillez un coton-tige avec de l'huile de coco biologique et frottez sur la paupière affectée. Laissez agir sans rinçage et répétez son utilisation tous les soirs. 8. Eau salée. Ce remède simple a plusieurs fonctions dans le cadre des problèmes oculaires. Tout d'abord, son action antiseptique aide à désinfecter, ce qui empêche la croissance des bactéries dans la région. D'autre part, il agit comme un lubrifiant naturel, hydratant le globe oculaire lorsque la production de larmes est réduite. Comment l'utiliser ? Diluez une petite quantité de sel dans un grand bol avec de l'eau tiède. Plongez-y votre visage pendant quelques secondes, en vous assurant d'ouvrir les yeux pour que le liquide pénètre à l'intérieur. Séchez soigneusement et répétez l'opération jusqu'à 2 fois par jour. Si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent, consultez un médecin. Bien que cette affection ne cause habituellement pas de problème majeur, elle progresse parfois jusqu'à entraîner des complications qui affectent la vision.